Si ton ex t'invite à son mariage, est-ce que tu vas aller? Non, jamais de la vie. Non plus? Non plus. T'invites ton ex à ton mariage, c'est qu'il y a bourbi quelque part. Il y a encore la considération, mais pas en mode couple, ça reste amical. Ami. Donc toi, tu restes ami avec quelqu'un qui t'a bouffe. Ah oui, c'est dur, hein. C'est pas pour rien que je réalise la deuxième partie de ce thème. Alors venez vous lâcher en commentaire, sans oublier, laissez un pouce bleu si vous aimez bien les épisodes de Degum Pro dans la rue. Et téléchargez l'application OneXBet avec le code promo Degum pour avoir une réduction de 200%. Je vous laisse pour la suite de cette vidéo. Générique. Salut. Comment tu t'appelles? Elisa. Pauline. Moi c'est Paulin. Ok. Coïncidence? De ouf. De ouf. Alors, c'est parti Pauline. Est-ce que t'as un ex? Oui, j'en ai un. Un seul? Voilà, ça tombe bien. C'est lui qui est parti ou c'est... Non, c'est moi. C'est toi? Mais pourquoi? C'était plus... Il n'y avait plus de feeling ou... Exact. Ah ouais? Rien à voir avec la tromperie? Des raisons... Rien à voir. D'accord. Ça fait combien de temps là? Que je suis plus avec? Ouais. 2 ans. 2 ans? Vous parlez toujours en mode vite fait? Non. Pas de contact? Pas de contact, non. T'aimerais bien lui voir ou pas? Même un jour, son anniversaire où il organise un festin? Non. Non, non plus? Non plus. Ah ouais? Bon, imagine, il t'invite à son mariage. Ouais. Honnêtement, est-ce que tu peux venir? Ben oui. Ah, d'accord. Ça te posera aucun problème de venir au mariage d'une personne à qui t'as partagé ton intimité? Bah non, parce qu'on est resté sur des bonnes bases, tu vois, donc non. Ça te posera aucun problème? Non. Donc, de voir ton ex avec une autre femme? Non. Et sa femme légitime? Non plus. T'auras pas le seum, en fait, de ne pas avoir cette place-là? Une femme légitime de ton ex? Ben non, parce que je l'aime plus. Mais moi, j'irai pas, tu m'envoies l'invitation, j'y vais pas. C'est bizarre. Mais il t'envoie l'invitation, il t'honore. Non, viens à mon mariage. Non, c'est mort. Non, c'est mort. Bon, ok, alors à son anniversaire. Son anniversaire, ouais, vas-y. Ah, là, tu pars. Ouais. Même s'il est déjà en couple, ça dérangerait pas. Ah, mais c'est lui qui m'a invité, hein. C'est pas moi, je m'incruste aussi. C'est la même personne qui aimerait bien aussi t'être invité à son mariage, mais là, tu vas pas aller. Je vais pas au mariage. Non. Lui voir avec une autre fille, tu seras pas contente. Non. Non, hein. Pour faire quoi? Pour que j'aille montrer que je suis plus belle que la femme qu'il a trouvée? Ah, ça sert à rien, wesh. Je sais pas. C'est à toi de nous le dire. Non. Non. Bref. Oh, les filles, elles aiment encore leurs ex. Elles ont toujours le seum de les voir avec quelqu'un d'autre. C'est bon, on a compris. T'aimes encore ton ex, tu veux pas lui voir avec quelqu'un d'autre? Ouais. Oh. Elle a filmé. Je te remercie. C'est quoi ta chaîne à toi? Mon ami. Ah, j'aime tes lunettes, hein. Ah, c'est gentil, merci. C'est gentil, on essaye de... C'est stylé. On essaye de... Ah, Gucci, en plus. Voilà, Gucci, on essaye de... On essaye pas avec Gucci. Il a mis des lunettes Gucci et il m'a dit qu'il essaye. Non. C'est du Gucci. Voilà, c'est on du Gucci. On essaye des petites lunettes. Ouais, ça veut rien dire, oui, ça veut rien dire. Gucci, tout est dans l'attitude. L'attitude. Il faut avoir une bonne attitude. Un respect, il faut être un bonhomme, un des hommes. Et là, la politesse, gentleman. Gentleman, attention, très important. Gentleman, toujours. Hein. Avec des vêtements pas chers aussi. Quoi, ça veut rien dire. L'attitude, les vêtements, le comportement. D'accord, après, le comportement. Tu mets une petite lunette, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Bien, alors, écoute ça. Mes hommes. T'as une ex ou pas? J'ai une ex. D'accord. T'en as beaucoup ou une seule? J'en ai un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. D'accord, un petit d'accord. Peu quand même. Actuellement, tu es en couple ou célibataire? Actuellement, je suis célibataire. Ça fait combien de temps? Ça doit faire 3-4 mois. Ah, 3-4 mois. Donc c'est récent que tu n'es plus avec ton ex, quoi. C'est récent. On va parler d'elle, là. C'est récent. Elle t'envoie l'invitation. Oui. Pour que tu viennes à son mariage. Oui. Justement, par rapport à ça, j'ai eu une discussion avec mon ex il n'y a pas longtemps. Oh. Elle m'a demandé de... On avait des problèmes un petit peu de communication. Mm-hmm. Suite à la rupture. Mm-hmm. Mais on a réussi à discuter. Mm-hmm. Et quand on a discuté, elle m'a dit, si... Je dois me marier ou mettre en couple avec un ami à toi. Est-ce que ça te dérange? Un ami carrément. Un ami, elle m'a dit, un ami à toi, proche à toi. Je lui ai dit, bon, chelou, déjà chelou, un peu chelou, mais je laisse le bénéfice du doute. D'accord? Donc, je lui ai dit, bon, écoute-moi bien, on a discuté ensemble, on a mis des points sur les i, des barres sur les t. Et aujourd'hui, tout va bien. Super. Je suis l'homme le plus heureux du monde, c'est la femme la plus heureuse du monde. Et si demain, on doit...
elle doit se remettre en couple avec quelqu'un, j'accepte son choix parce que moi je l'aime bien, pour de vrai. Je l'aimais bien pour de vrai. Mon ex était amoureux d'elle pour de vrai. Un petit moment et après c'est parti un peu. Voilà, bon, c'est compliqué la vie, hein. Chacun, nanana, mais. Chacun, voilà, on a réussi, voilà, on a réussi à chacun, et c'est important, c'est super important. Ton ex, il faut la laisser tranquille. Si elle tombe amoureuse, si tu l'aimes bien, si tu l'aimais vraiment, t'étais amoureux vraiment d'elle, normalement, tu dois être content pour elle si elle est heureuse. Même si c'est un ami à toi, après des fois, faut pas abuser. Attention, doucement. Faut pas abuser, mais si elle est heureuse, vraiment heureuse, il faut la laisser. Je pense que c'est une situation délicate. Vous avez beaucoup aimé la personne. J'étais amoureux en plus. J'étais amoureux. Et cette dernière t'invite à son mariage. Oui, j'y vais, avec plaisir. Avec plaisir. Lui voir avec un autre beau gosse, ça fait parce que moi je l'aimais avant. Je l'aimais avant. Si elle est heureuse, tout va bien. Moi je suis un adulte. J'ai 35 ans. Hmm. On grandit, on prend de la maturité. Ouais. D'accord. Donc super. On doit toujours réfléchir au bonheur de la personne, si vraiment tu l'aimais vraiment. Très voilà. Belle phrase. Ça, c'est très très important. T'as des ex, non? Bien sûr. Ok. La dernière, là. Si elle t'invite à son mariage, est-ce que tu vas venir? Pas du tout. Non, j'y vais pas. Non? Pourquoi pas? Bah, c'est son mariage. Bah oui, mais j'ai plus rien à voir avec lui, pourquoi j'irai? Mais attendez. Là où vous êtes resté en bon terme ou pas? Ouais. Ouais. Mais pourquoi pas participer à son bonheur? Le mariage, c'est un bonheur. Mais il le fait sans moi, son bonheur, maintenant. Non. Bah si. Non. Oui, sans toi. Mais bah oui, mais il a pas besoin mais de moi pour son mariage. Vie, pourquoi pas? Ah mais non. Non, j'irai pas. Pour quelle raison? En fait, j'estime que j'ai pas allé au mariage de mon ex. Ça sert à quoi? Répondre à son invitation, participer à son bonheur. Eh ben, je serais heureuse pour lui à distance. Mais j'irai pas. Honnêtement, tu viens pas à son mariage? Pas du tout, ça me servira à rien. Non. Si, après, si. En vrai, oui, j'irai avec ma nouvelle meuf en mode fraîcheur. Juste pour lui foutre la haine. Oh. Donc tu viendras à son mariage avec ta nouvelle meuf. Bien sûr. Juste pour lui foutre la haine, quoi. Bien sûr, en mode bombe. En mode. Là, maintenant, c'est devenu un problème de comparaison, en fait. Du coup, on va voir ta meuf et l'autre. Est-ce qu'il y a match ou pas? Il n'y a pas match. Il n'y a pas moyen. Franchement, moi, ouais. Genre, il y avait plus de sentiments à la fin, donc si je la vois avec quelqu'un d'autre, genre, ça me dérange pas. Malgré tout ce que vous avez partagé ensemble, t'auras pas peut-être le seum de lui voir avec quelqu'un d'autre? Non, en vrai, je serais contente pour lui. Ah, wow. Elle sera quand même contente pour lui. Ouais. Super. T'auras pas un sourire un peu caché, dissimulé? Non, franchement, même pas. Non, je serais contente. Elle sera contente pour elle, ça pose aucun problème. Est-ce que vous pouvez aller au mariage de votre ex? Absolument pas. Non, jamais, non. De jamais de la vie. Non plus? Non plus. Ah ouais? Non. Mais c'est déjà fini, non? Vous n'êtes plus ensemble, il n'y a plus de sentiments, chacun est passé à autre chose. S'il n'y a plus de sentiments, peut-être, je sais pas, mais... Bah non, pourquoi j'irai? Je m'en fous. Non, si j'ai plus fini. De sentiments, je m'en fous. Mais il t'invite quand même, il s'est dit, voilà, c'est fini, il n'y a plus rien entre nous, mais pourquoi pas venir à mon mariage? Non, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, en fait? Pour moi, c'est mort. Ça passe pas. Ouais. D'accord, je comprends. Super, pas de soucis. Merci. Mais tant qu'il y a rien dans cette relation, pourquoi pas aller? Ça veut dire que t'as encore des sentiments pour la personne. Non, moi, j'ai pas de sentiments. Je veux pas le voir. Si non. Non, oui, c'est ça. Tu veux juste pas le voir avec une autre femme. Je sais pas. Ou non? Non. Mais c'est un ex, c'est déjà fini. Bon, tu gardes encore espoir de... Non. S'il n'y a pas d'aminosité, tu vois, s'il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Souvent, les ex, ça finit mal, hein. Du coup, pour aller à son mariage, ça pose aucun problème. Non. Et si t'es en couple avec quelqu'un d'autre, ça te gênerait pas d'aller au mariage ton ex alors que t'es en couple? C'est bizarre. Exprime-toi. C'est bizarre. On fait ce thème pour que les gens réalisent. Bah, au pire, je vais avec elle. J'ai avec ma nouvelle copine. Le problème aussi, c'est aussi avec ta copine. Voilà. Est-ce qu'elle va accepter? C'est ça le problème. Oh, tranquille. S'il n'y a rien, elle va accepter. T'aimes bien cette coupe? Ouais, ça va. D'accord, ça va. Je l'ai fait toute seule aussi, c'est pour ça. Non. Bah si. Ah ouais? Bah oui. Tu fais des tresses toute seule? Bah oui. Comment? Je suis coiffeuse. Même si, mais toute seule. Bah oui. Quand tu es au centre, c'est facile en vrai. Là, comment tu fais? Au centre, bah il y a un miroir derrière, c'est bon. Ah. C'est pas facile, j'avoue. D'habitude.
T'as mis combien de temps pour apprendre à être très seule? Un an. Ah ouais. Beaucoup, hein. En fait, non. Avant, je ne me croyais pas toute seule. C'est toujours ma pote et tout. Mm-hmm. Mais là, la dernière correction que j'ai faite, tu vois, mais là que j'ai fait la dernière fois, bah c'est ça. J'ai fait, c'est là où la première fois j'ai commencé à me coiffer. Donc ça fait à peu près un mois ou deux que je me coiffe toute seule. Alors, le dernier ex là, je sais que t'en as combien à peu près? Une dizaine? Non, j'en ai que quatre. Quatre? Après, j'ai des anciens flirts, hein, c'est tout. Quatre ex? Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà têche dans cette relation là? Parmi les quatre là, il y a quelqu'un qui t'a têche? Comment on peut quitter une fille aussi charmante comme ça là? C'est vrai, c'est méchant. Alors dis-moi, ton ex t'invite à son mariage. Est-ce que tu vas aller? Ah, c'est une question difficile en fait. Hein. Non. Parce que t'as vu, comme c'est à cause de moi que ça s'est terminé en vrai. Mm-hmm. Mais j'ai la capacité de le récupérer dans tous les cas. Oh. Donc si j'y vais, ça va être pas gentil pour la fille. Hein. Non. Non, donc mieux que j'aille pas. Non, déjà si décide de se marier, c'est qu'il met un non, point. Non, forcément. Attends, plus ensemble, à partir du moment où t'invites ton ex à ton mariage, c'est qu'il y a bourbier quelque part. Mais non. Soit il attendra que je dise non. Non, il y a encore la considération, mais pas en mode couple, ça reste amical. C'est normal. Ami. Donc toi, tu restes ami avec quelqu'un qui t'a mougou. Moi, ça me dérange pas en tout cas, je te mens pas. J'ai des ex avec qui on parle au calme. Ouais. Pas moi. Pas toi. Pas moi. Donc du coup, au final, tu vas aller ou pas? Non. Non. Hein. À part si la nourriture est bonne. Ah, à part si la nourriture est bonne. Ah oui. Comment tu vas le savoir? Il faut être sur place. En fait, il faut que... ça dépend. Si ta famille cuisine bien de base, parce que si je suis vraiment partie chez lui, de ça, là. Ah, mais c'est vrai, sa mère, elle cuisine bien. Bah, c'est problématique. Problématique. Hein. C'est problématique.